بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons nos hadiths qui nous expliquent le shafa'at. Hadith donc 1868. Nous qui commençons lire, nous y trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li ci raconte chafa comment ban affaire pour difficile yawm al qiyama ban jimon pour réunir dans maidan al hashr et tellement pour une difficulté que un parmi ban ulama explique nous qui jimon pour jibout 300 ban années d'après ban jour qui nous connaît ici d'après ça les temps là jimon pour jibout 300 ban années sans qu'ils ne comprennent qui peut arriver pas peut connaître qui peut arriver là là Allah pour inspirer eux pour diman shafaat là là comment nous fin trouver je pour alguet Sayyidina Adam alayhi salam Aboul Bachar père de l'humanité Al-Jali fait shafaat pour nous là là pour mentionner ce qui lui appelle désobéissance qui Allah subhanahu wa ta'ala pour Tidjali pas costé que ça pied là les fin costé là là li pegan père concernant ça mon expliquer hier en détail qui manière c'est pas une désobéissance c'est pas un péché parce qu'il ban prophète alayhi salam je pas faire péché si je te faire péché ben comment je peux guider Bandimon? Alors, comme on a expliqué hier, c'est dans l'I, alayhi salam, l'I sur considération, qui l'I fait ce jihad, l'I trouver, qui l'I besoin faire ça, l'I trouver, qui l'I choisir pour faire ça. Mais dans ce considération, ça joue là tellement l'I peur vis-à-vis Allah, tellement l'I a crainte vis-à-vis Allah. Et c'est un adab aussi qui l'I dit non, moi, je ne peux pas faire shafa'at, alguet les autres. Il dit nafsi, 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 nafsi. Comme on a dit, il est capable d'un mot qui est un autre mot qui cassette là-dedans, par exemple. Hasbi, nafsi. Moi, je suffis pour moi-même. Alors, il est capable les autres. Ça, nafsi, nafsi, là, on a expliqué aussi qu'il est possible. Ça ne veut dire qu'il est un ambiya, pas pour faire shafa'at pour personne. Non, au contraire, même qui pas un habit. Il est simple, dimon. Enfin, finalement, je n'ai plus trop simple, mais il est dimon normal. Je t'y pour faire shafa'at. Par exemple, ben Hafiz Quran pour faire shafa'at. Il y a plusieurs gens qui mentionnaient dans le hadith qui pour faire shafa'at. C'était là, ben Nabi, donc, plus grand shafa'at, je peux faire. Mais ça, shafa'at qui nous peut causer dans ce hadith-là, là, c'est le shafa'atul uzma. Ça, il est réservé juste pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est ça qui, ben ulama montre nous que ça, shafa'at-là, ce moment-là, spécifiquement ça joue là là ça l'est réservé pour un djimon pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que ça ban grand nabi là pour dire alguet les autres alors donc il pour dire alguet Nuh alayhi salam donc nous continuons nos hadith fa yatuna nuhan et je pour alguet Nuh alayhi salam fa yaqulun je pour dire ya Nuh oh Nuh anta awwalur rusuli ila ahli al-ard toi tu premier parmi ban envoyé ban rusul lo envers ahlul ard ça veut dire envers ban djimon lo la terre qui veut dire ça premier envoyé est-ce qu'il y a avant lui tienna nabi tienna nabi mais là ban ulama certains font différence entre nabi avec rasoul qui a une différence entre nabi avec rasoul rasoul les différents li namène message donc li namène en sharia donc c'est dans sa façon là qui certains dire les premiers avant lui tienna nabi mais c'est ma rasoul capable les premiers et dans l'autre possibilité ban ulama expliquer qui comme il mentionné ici, il a ahlil ard à toute la à toute l'humanité, à tous les habitants de la terre. Parce qu'il y a certains ban nabi, même ban rasoul, je pas vin pour l'humanité entière. Je vin, il y a une vin pour un tribu, il y a une vin pour un pays, il y a une vin pour une localité, il y a une vin pour banu Israël, il y a une vin pour une famille. Alors qu'il y a certains qui vin pour l'humanité entière, par exemple nous, alayhi salam. Comment Rasulullah s'assemble, il ne vient pas juste pour l'humanité, mais pour toute bonne créature, pour l'univers entier. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit ça ici. « Wa qad sammaka Allahu abdan shakura » et Allah fin appelle-toi, « O Nuh alayhi salam, abdan shakura » un abd, un serviteur, un esclave, qui shakur, qui reconnaissant. Ça, c'est un grade, c'est une description qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne lui. Nous gagnons ça dans le Coran. « Wa kana abdan shakura » Ala tara ila ma nahnu fihi est-ce que tu pas trouvé dans qui difficulté nous était ala tara ila ma balagna est-ce que tu pas trouvé quand nous arrivé là qui a été difficulté fin frappe nous quelle situation était ala tashfa'u lana ila rabbik est-ce que tu pas pour faire shafa'at pour nous auprès de ton rab
فيقول الو نوح عليه السلام بوجيا ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله بغيكما سيدنا ادم عليه السلام تجيا ازوجي رب فينا كوليا مرب فينا كوليا غضب مو بيتراديو بو ان كوليا بو كما مون اكسبليكي يي فو دي با نو كونسيديرلي كوم ان سنتيمون كوم ان نو نا Alors, il y a certains qui disent que Allah se suffit, il est content, il est en colère, il est satisfait. Ici, nous, l'Ama dit à nous que Radiba ici veut dire, pareil comme Allah content avec un djimoun, qui veut dire ça, ça veut dire Allah lui ouvert sur Rahmat, lui ouvert sur Rahmat. Radiba, Allah en colère avec un djimoun, veut dire que des pas, c'est que ce djimoun-là, il fait quelque chose de mauvais, il fait péché, alors Allah a voyé sur une conséquence. Ça qui veut dire Allah en colère, alors que Allah protège nous de ce Radab. Alors, pareil, il dit Allah, il est en colère, qui a été aujourd'hui, qu'il n'est pas fini en colère jamais avant, et qu'il n'est pas pour en colère jamais après. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qawmi. Il dit, là, là, il mentionne un quelque chose qui lui considéré comme une faute. Moré dit, faut pas nous allons mettre blâme, l'eau, ban ambiya, nous allons dire que ça l'infait péché, il peut regretter le sous péché, Allah pour punir le sous péché. Non, ça c'est pas seulement un sou ou l'adab, mais seulement un problème de aqidah même là-dedans. Vis-à-vis ban ambiya. Lui peut considérer ça comme un affaire sérieux, il peut mentionner ça là. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin de payer pour ça, non. Ce n'est pas un péché. Alors, lui, Nuh alayhi salam, qui est arrivé, Allah te donne lui un droit spécial pour lui faire, pour ce peuple. Alors, ce peuple finit tellement tourne les doigts avec lui, nous connaît 950 bananes, il finit faire dawa, 1050 djimoun finit suivre lui, et ben là, il fait bouffon avec lui, et ben là, il fait beaucoup quelque chose. Compte, comment dire, elle est là, doit qu'il lui fait faire doit compte. Ça doit là, Allah dit, wa qala nuhu rabbi la tadhar ala l'ardi min al kafirina d'ayyara. Et Nuh dit, oh Rab, n'a pas quitté l'eau, la terre, aucun kafir. C'est même qui nous trouvait après, déluge, vini, li balie, zot tout, li noie, zot tout. Il fait ça doit là, n'a pas quitté aucun kafir. Inna ka in tadharhum, si tu quittes zot, yudillu ibadak. Je te prouve égard au ban banda. Je promène au ban banda dans mauvais chemin, dans perdition. Voilà, yalido illa fajiran kafara. Et quand je vous donne naissance, je ne vous donne naissance autre qui ban kafar, ban qui est en mécréance, ban kafir et ban fajir, ban qui transgressé. Alors nous, alayhi salam, il fait ça doit là. Il fait ça à cause iman, li. À cause son iman, le Allah. À cause ce qui ne passe. Nous pas qu'à dire il y en a tout là-dedans, mais c'est mal li, comme on dit hier. حسنات الأبرار سيئات المقربين. Ben bon djimoun, il y a quelque chose qu'ils ont fait, qu'ils ont considéré comme un bon, hasanat. Mais c'est moi, ben muqarrabin, ben qui proche avec Allah, je considère ça comme un péché. Hein, comme on m'a expliqué hier. Alors, lui aussi, il dit, nafsi. Donc, moi, je ne peux pas faire ça, shafarat là. Alguet autre que moi, idhabu ila ghairi, alguet un lot, apporte-moi, idhabu ila Ibrahim. Alguet Ibrahim, alayhi salam. Alors, فيأتون إبراهيم زد الجد إبراهيم عليه السلام فيقولون زد الجلي يا إبراهيم أو إبراهيم أنت نبي الله وخليله إلى أهل الأرض تواتو الله سو نبي إتو سو خليل خليل الله سي خليل بيجا كامارد بروش كما نكوني سي تيت دو سيدنا إبراهيم عليه السلام كما الله جل القرآن واتخذ إبراهيم خليلا Allah finit prendre comme Ibrahim comme son camarade proche, son Khalil. Alors, tu as envoyé Allah et son Khalil à tout bandimon entier la terre, min ahlil ard. Ou soit parmi tout bandimon entier la terre, Allah finit choisir toi comme son Khalil. Ishfa alana ila rabbik, fais shafa'at pour nous auprès de ton Rab. Auprès de ton Rab, ala tara ila ma nahnu fihi, est-ce qu'il ne t'a pas trouvé dans qui difficulté nous était. Fayaqulu lahum la lalil pujazut. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. Pareil comme on l'a dit, Allah, mon Rab, il n'a collé à Zodien qui a été qui jamais il n'a collé avant et jamais il n'a collé encore après. Et là, il mentionnait, وإني كنت كذبت ثلاث كذبات. Il dit, moi, je fais une cause menti trois fois. Trois mensonges, je fais une cause. Encore une fois, nous vous avons expliqué. Est-ce qu'il y a un Nabi cause menti? Si un Nabi cause menti, nous finissons apprendre dans l'Aqidah, l'Oban Nubuwat, qui est une condition sine qua non pour un Nabi. Si il n'est pas capable de Nabi. Et parmi là-dedans, il y a un Sidq, la véracité, la vérité. Un Nabi pas capable de cause menti. Sinon, comment est-ce pour Nabi?
Si les causes mentent, qui confiance pour faire l'inon apprendre, iman, c'est confiance. Nous faire confiance, ça n'a pas ce qu'il indique, ben à si même vérifier ce qu'il indique. Ni la science, ni aucune technologie, pas pour qu'il montre moi si parce qu'il peut dire là vrai ou soit non. Dans Jannat qui est là. Comment on peut vérifier ça? Allah, comment il était? Allah, je vais en. Donc, je fais confiance à cela si lui-même lui pour cause mentir. Mais qui confiance moi pour faire? Nabi pas qu'à cause mentir. Alors, les gens ont fait une cause trois mensonges. Nous pas pour qu'à considérer ça comme un mensonge. Alors, c'est une ruse qu'il a appliquée. Et dans une question, nous apprenons quand nous avons un chapitre, le mensonge, l'autre, qui va une circonstance dans laquelle un dimanche a cause mentir, et dans une affaire qui appelle Tauria, qui nous dit une quelque chose, quand nous guettons à face value, dans une certaine langue, il paraît mentir, mais en vérité, il pas mentir. Dire ça pour sortir d'une situation. Alors, qui est arrivé, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, nous rappelle dans ce, l'époque, les disciples de la guerre contre Shirk, les disciples vivent dans l'époque parmi les dimanches qui se disent faire Shirk, qui se tiennent un tas d'idoles, qui se un taban service, un taban rite qui cherche qui en déocade. Alors un jour, je tiens à cette fête, tout le monde peut aller. J'ai envie de prendre Ibrahim, alayhi salam, aller. Il n'est pas pour aller de sa fête là, définitivement. Alors, il dit Inni Saqim. On va nous trouver dans le Coran. Hein? Je ne vais pas rentrer trop en détail, nous prenons beaucoup de temps. Il dit cela long. Mon malade. Alors, comme ça, je ne quitte là parce qu'il est malade. Il est touché, il est resté. Là, quand il est resté, qu'il est fait, il est en statue. Et là, là, l'inquiète, c'est qui est plus grand là, il a appendant ses outils là, dans les couches, à plus grand là. Et ta banane vini, il trouve ça, donc je n'appelle lui, je ne dis lui, est-ce que c'est toi qui ne fais ça? Qui lui dit? Il dit, ben, dis-moi ça, c'est qui est plus grand là, dis-moi lui qui ne fait ça. Ça, c'est le deuxième. Le premier, c'est qu'il considère comme un mensonge là, c'est qu'il n'est pas si malade, mais il dit, il n'est saqim. Alors, il peut impliquer, ben, si moi, l'ensemble, avec j'autre là-bas, ben, moi, pour malade. Comprends là, donc, dans sa façon-là, il n'est pas une cause mentie. Deuxième là, je lui dis, ben, dis-moi, lui qui ne fait ça. Alors, définitivement, pas lui qui ne fait ça. Mais, il y a une condition là-dedans. Lui qui ne fait ça, si je peux croire qu'il est capable de faire ça. Si je peux croire qu'il est, je peux donner lui sa possibilité à lui qu'à faire quelque chose, je peux appeler lui bon Dieu, ben, lui-même, il vient de faire ça. Dans sa façon-là, nous comprenons. C'est une ruse qui lui fait servir. Troisième situation, quand lui fait servir, donc, lui dit, elle donne place ensemble avec son madame, Sarah, alayhi salam. Et les rois là-bas tiennent tyran. Donc les rois tiennent envie. Ils apprennent qu'ils amènent son madame. Donc ils intéressent avec madame là, tiennent envie, comment dire, une façon de dire, mettre la mêle au madame là. De façon impropre. Alors, ils ont envie qu'on ne connaisse pas son madame même ça. Ils ont dit, man, li, ça, ton madame ça. Les là, ils disent, non, moi c'est ça. Ils disent, moi c'est ça. Les là, ils ont dit, madame là, mon dieu, toi, moi c'est. Alors, dis toi aussi pareil pour qui? Nous, ban version pas contradictoire. Donc, l'India ça pour sauver madame là. Alors, ce c'est ça, ben, si nous guettons d'un point de vue islamique, c'est ce c'est en islam. Hein, innamal mu'minuna ikhwa. Donc, c'est pas un péché qu'il fait, c'est pas un mensonge, mais l'il considère ça comme, nous réapplique le même principe qu'il m'a dit à l'heure là. Donc, l'il considère ça comme quelque chose qui est grand. Alors, l'il dit nafsi, nafsi, nafsi. Hein, idhabu ila ghayri, alget c'est qui? Autre qui moi, idhabu ila Moussa, alget Moussa, alayhi salam. Donc, fayatuna Moussa, je t'alget Moussa, alayhi salam, fayakouloun, ya Moussa, anta rasulullah, fa, فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس او موسى جدلي تتو الله سو رسول الله فين دون توان فافي الله فين في تو فين سبيسيال سو بان ميساج كي يابوي الله فين دون لي موسى عليه السلام ان parmi man grand prophète li fin gagne risala et Allah fin fi ali bin kalim Allah ça veut dire Allah cause avec lui directement ishfa lana ila rabbik fi shafa'at pour nous auprès de ton Rabb. Ama tara ila ma nahnu fihi, est-ce qu'il t'a pas trouvé qui difficulté nous en a? Alors, lui aussi pareil, il dit, fayakoul, inna rabbi laqad ghadiba al-yawma ghadaban, lam yaghdab qablahu mithlahu, wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Pareil, il dit, lui aussi, Allah est en colère, je dis, en façon qu'il n'est pas en colère jamais avant et qu'il n'est pas en colère jamais après. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Là, là, il mentionne une quelque chose qu'il fait. Il dit, moi, je fais tout un jimon, je ne tiens pas l'autre pour tout lui. Je fais tout lui. Qui manière ça quand un parmi ce jimon, parmi man banu Israël, il y a un problème avec un pharaon ce jimon, pharaon ce khabbaz, ce boulanger. Donc, un parmi man copte, ban qui est bien placé auprès de pharaon. Et donc, tu peux faire dominer le so jimon. Là, Moussa, alayhi salam, il rentre là-dedans pour rétablir la justice. Il fait un don jimon là un coup de poing. Sans qu'il y ait une aniyat pour tout lui, il fait ça
pour rétablir la justice. Mais seulement, dit mon l'a fait le mot. Tellement il tient à la fausse, dit mon l'a fait le mot. Donc, ce n'est pas un péché. Hein? Encore une fois, donc, nous retournons au même principe, comme on expliquait tout à l'heure. Mais seulement, lui, quand il fait ça, étant donné qu'il y a un prophète, donc, il sent que ça, c'est une faute. Moussa, alayhi salam, dit, lui aussi pareil. Nafsi veut dire moi-même, ça veut dire mon shafa'at il suffit pour moi-même, ou soit hasbi nafsi, et donc sa shafa'at là, spéciale là, pas moi qui pouvais faire. Alguet en l'autre, donc idhabu ila ghayri, alguet autre qui moi, idhabu ila Isa, alguet Isa alayhi salam. Alors fayatuna Isa, alors je peux alguet Isa alayhi salam, fayakouloun, je peux dire ya Isa, anta rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. O Isa, toi tu Allah so rasul et so kalima. كلمته ألقاها إلى مريم الله سو parole qu'il fin avoy vers Maryam alayhi salam comme on connaît Moussa Isa alayhi salam fin né pareil comme Adam alayhi salam il fin né sans papa donc c'est un quelque chose spécial Allah subhanahu wa ta'ala il crée ce qu'il y a envie pareil comme on se trouvait Adam alayhi salam tu mentionnais fin créé Allah fin créé toi avec son main biyadi ça veut dire dans langage en arabe biyadi veut dire son qudra son puissance donc Allah fin servi une puissance spéciale pour créer Adam alayhi salam depuis néant. Ici, il crée Isa alayhi salam sans l'entremise d'un papa. Donc, kalimatihi qui veut dire par ses paroles, comment nous connaît Allah, comment lui oulé en quelque chose, lui dire kun, soit, fayakun, et ça quelque chose là, lui être, lui exister. Donc, c'est comme ça qu'il est dans Isa alayhi salam fin prend naissance. À cause ça, appelle li kalimatullah, Allah ses paroles. وروحهم منه اي الله سروح appelle روح الله aussi عليه السلام وكلمت الناس في المهد tu fais une cause avec Benjamin dans BSO comment nous apprendre notre fois là Seyna Isa عليه السلام il fait une cause quand il était encore petit bébé pour innocent ce moment اشفع لنا الى ربك fais شفاعت pour nous auprès de ton Rob الا ترى الى ما نحن فيه est-ce que tu vas trouver dans qui difficulté nous était فيقول عيسى عيسى عليه السلام بوجيه إن ربي قد غضب pareil comme on l'a dit mon Rab il finit en colère غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله il finit en colère une façon qu'ils amènent en colère avant et qu'ils amènent en colère après ولم يذكر ذنبا et il n'y a pas fait une mention aucun péché et dans l'autre riwayat mentionné qui les dire qui Benjamin fin prend moi pour bon Dieu apporte Allah comment nous connaît Benjamin fin prend lui pour Allah son garçon pour bon Dieu apporte Allah et comment nous connaît na dans Coran pour dire man lui est-ce qui te fin dire Benjamin prend moi comme un garçon bon Dieu apporte Allah donc là Isa alayhi salam pour répondre si moi dis toi tu connais au Rab donc conversation là mentionnée dans Coran donc là ici il mentionné qu'il pas ne mentionne aucun de bon péché dans sa riwayat là d'après sa sahabi là radiyallahu anhu. Donc, lui aussi, il peut dire nafsi, idhabu ila ghayri, alguet autre qui moi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alguet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fayatuna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, je peux alguet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, qui nous trouve, ben, ulama dit à nous, qui fait une mention de tout cela. Ça va dire, mon là, si. Commence moi-même, je t'alguette Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui tu peux arriver? Shafa'at là, tu peux faire? Un seul coup, pas tu peux bien passeport, tout ça là. Mais Allah fait une mention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une mention ça. Allah peut faire lui comme ça. Qui fait? Pour montrer grandeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer grandeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al montrer avant qu'il savane grand Nabi là. Je peux dire non, pas pour nous ça. Alguette-le. Je peux montrer qu'il n'y a pas d'autre qui peut faire ça. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire ça. Là-dedans, et là, pour montrer grandir. À quoi ça, mon Dieu, hier, il ne faudrait pas quand nous lire ce hadith-là, nous le trouvons là-dedans, comment dire, manquement dans ce prophète-là. Na'udhubillah. Nous ne pas supposer que trouver manquement dans aucun prophète. C'est lui qui trouve ça, mais il y a un problème dans l'esprit, dans le cœur. Nous lisons ce hadith-là pour trouver grandir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui c'est un prophète qui mentionnait là ça? Après Adam alayhi salam, qui est un prophète qui mentionnait? Et là, Sayyidina Nuh alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Moussa alayhi salam, avec Sayyidina Isa alayhi salam. Ça quatre là, ensemble avec Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cinq là, je cinq plus grands prophètes parmi tous les prophètes. Pareil comme parmi les anges, il y a quatre plus grands. Parmi les prophètes, il y a cinq qui plus grands. Ça, cinq qui nous mentionnait là, qui nous trouvait dans le hadith ici. Appelle-je ban ulul azm.
ban qui na détermination un grade spécial parmi man anbiya parmi man rusul comme Allah dit dans le Coran Allah dit avec Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul fais sabar patience pareil comme man ulul azm parmi man envoyé man rusul fin faire donc il mentionne quatre plus grands prophètes là parmi man plus grands et Saban là pour dire non, nafsi, al get lot qui moi, donc finalement ça pouvait venir vers Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire shafa'a. Et là nous pouvons trouver, on appelle ça al-shafa'atul uzma. Donc là, hadith là continue, l'isolée partie là restée quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire shafa'a. Il arrive à 7 heures, donc nous pouvons arrêter là, inshallah demain, nous continuer et inshallah nous termine hadith là. Donc nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala. Donne-nous tawfiq, donne valeur, donne grandeur à Allah subhanahu wa ta'ala, subhan anbiya, subhan rusul, qui limite cette grandeur et cette muhabbat dans nous les cœurs. Qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous de bonnes difficultés qu'ena yawmul qiyama, qui lui fait nous bénéficier de suhbat et de shafa'at de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم